Donc on se retrouve sur WRC4, donc un jeu de rallye. J'ai déjà fait une vidéo dessus tout début de ma chaîne, il me semble. Donc c'est parti, on va se retrouver pour une petite vidéo là-dessus. Faire une petite course. Donc faut que je trouve une bonne course à faire et puis ça sera parti. Oui, je ne suis pas connecté au PSN vu qu'il y a une mise à jour à faire et que ça va être trop long. Et que j'ai pas le temps de faire la mise à jour et puis de toute façon je m'en fous, je ne joue pas en ligne. Mode... Ouais, mode rallye. Non, pas mal de rallye parce que c'est plusieurs courses tout le long. Donc c'est spécial rapide, ça sera mieux. Voilà. Ah, je suis un peu fatigué. Bon, je vais mettre pause le temps que ça charge et le temps que je trouve la partie. Alors, donc ça trouve une partie tout seul. Donc Rallye d'Italia Sardegna Montidiala. Longueur de kilomètre 3. Ça peut aller. Il y a pas mal le parcours. On est parti, j'ai quoi? Une petite Ford? C'est quoi une petite Ford? J'ai même plus les touches, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai même plus le Frama. Frama, c'est quelle touche? Je crois que j'ai trouvé ça la croix. En fait, je suis. Ah! Aïe! Ça fait mal là. Je suis même pas sûr que ce soit la croix le Frama en fait. Merde, je regardais autre chose, je suis trop vite. Non, j'ai pas le frein à main, c'est quelle touche! Si ça doit être la croix, mais j'ai l'impression que ça fout pas bien en fait. Aïe! Ça doit faire mal ça. Ah, tu gères mon 100 buts comme un connard. On dirait que le pare-choc est arraché comme ça, mais c'est pas vrai, c'est un kit déco. Tellement longtemps que j'ai pas joué, j'y arrive plus, je sais même plus la touche du frein à main, puis j'y arrive plus, je suis une grosse merde. Aïe, d'accord, il y a un petit panneau, faut que je fonce dedans. Hein. Aïe. À la barrière sinon je sortais je crois. Mais arrête de dire frein à main, c'est pas la touche. Ou dis la touche du frein à main, je sais pas. J'ai dit droite de scène, frein à main, ouais. C'est quoi la touche du frein à main? Tu m'expliques? Arrête avec tes freins à main. Du coup je freine comme un gros bâtard et puis je ralentis pour tourner parce que j'ai pas de frein à main. Du coup je perds du temps puis voilà. Voilà, je tiens à préciser que j'ai fait tout le long de la course sans le frein à main. Et qu'il y avait pas mal de virages, il fallait faire au frein à main. Il m'a dit, hein. Oui, c'est normal. J'ai dit oui, c'est normal. Alors, j'étais Martin Prokop avec une Ford, j'ai fait 2 minutes 40. Et je suis quatrième. Oh, franchement, ça peut aller. Franchement, faire 2 minutes 40 et 83 dixièmes de seconde avec une Ford... Ou que ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué, que j'avais plus l'habitude, je connaissais même pas tout du frein à main, du coup j'ai fait sans frein à main. Je trouve que c'est pas mal. Confirmé. Donc voilà, une petite course sympa de 4 minutes 54. Alors où je vous parle, c'est la vidéo dure 4 minutes. Attends, 5 minutes.
Sauf que là, il n'y a pas la petite intro qui est au début qui tire 9 secondes. Mais c'est qu'un détail. Donc voilà, on va se laisser là pour cette petite vidéo, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!